Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je cherche le live du commandant Kenta. Attendez. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de bien suivre ça. Et bonjour. Aujourd'hui, la fille de papa est calme. Vous pouvez voir, même sur le visage a changé. Et la colère, c'est fini. Son nom de Facebook, c'est quoi? C'est Caporal Grillé ou c'est Commandant Kenta? Attendez. Aidez-moi avec son nom de Facebook. Hein. Bonjour Lydie. Merci Thierry. Bonjour. T'as pas payé mon commandant. C'est comme ça. Bonsoir, j'ai dit bon. Et son nom de Facebook, c'est quoi? Je ne trouve pas. Il a fait le live là ou même. Voilà, c'est ici. J'ai retrouvé. Il faut d'abord diminuer la popularité de Kanto. Arrangeons-nous à ce qu'on ne parle plus de Kanto. Ni en diaspora, ni au Cameroun. On doit nous passer de Kanto. Ça, c'est la première solution. Comment est-ce qu'on peut faire
pour qu'on ne parle plus trop de Kanto. C'est un direct là. Parce que les problèmes qu'il a posés, c'est des problèmes très pertinents. Il explique les. Non, au gré à gré, vacances de pouvoir, c'est pertinent. Et vous savez, c'est un juriste. Et vous savez, en termes de vos affaires de juriste, il est le pape. On fait comment? Le pape a déjà sorti deux mots-clés. Et c'est des mots qui nous coincent. Ils ont dit ok. Il faut qu'on encercle Papa Kanto. Il faut qu'on essaie de l'isoler. Ça, c'est la première stratégie. On doit l'isoler. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se prépare, le grand, c'est depuis longtemps. Ils ont dit ok. Pour l'isoler, on avait d'abord arrêté certains de ces militants-là, on a mis en prison. Maintenant, il faut arrêter les hommes clés. Donc, ils ont, entre eux, ils ont dit Bibou ni sac et dedans. Arrêtez, les deux là, il faut les coincer. Et vous avez vu la manière qu'on les a arrêtés, non? Vraiment, c'est-à-dire, il n'y a même pas la logique des gars. C'est-à-dire, on vient prendre quelqu'un dans sa maison, prison, on a pris Bibou ni sac. Alain Foguet, c'est tout. Il n'y a pas d'argent. Ils sont accusés de quoi? Rien. Donc, c'est ça. Maintenant, pas quand on est isolé de ces deux hommes forts. Et par un homme, entre-temps, il était dans le Soussongo. Parce qu'il fallait aussi arrêter un homme. Parce qu'on dit que c'est lui-même qui est toxique. Donc, ils ont dit ok. Ce que je vous dis là, vous entendez, c'est à point gris dans son magicien aujourd'hui. Ce que je vous dis là, le professeur Franklin Namchi vous a expliqué ça. Moi, je veux vous expliquer ça à ma façon. C'est pour ça qu'il dit que vous voulez vous parler. Parce que, yes, grand professeur Namchi, donc, comme vous savez, donc, c'est quelqu'un que je connais depuis, je connais comment il est très fort, donc, il vous a décortiqué ça avec tous les ingrédients. Ça va, on suit d'abord le live là. Et c'était avec son style. C'est le caporal. Le commandant Kemta Long. C'est lui qui a fait le style. Et je donc, on écoute ensemble. Lorsqu'ils se sont rendus compte que ils ont pris Bibou Nissa, ils ont pris Alain Foguet, ils ont dit maintenant, vous savez, si on fait notre gré à Dieu là, et que la diaspora là, est encore puissante comme elle est là. Vous savez qu'il y aura des problèmes. Ils ont dit, ouais, cette diaspora-là, voilà encore les gens qui vont nous mettre dans les problèmes dans cette affaire-ci. On fait comment? Ils ont dit, ok, on fait comment? C'est là où les Grégoires, on a dit que, mais on fait comment? Vous cherchez quoi? Il y a la fête des SCSI là que l'argent est perdu. Comme ils disent que Kanto est tout clair, il est tout clair, il n'a pas. Il n'a jamais volé. Mais il a volé. Mais attends, ils disent que non. Kanto a volé comment? C'est là où ils ont dû amener tout. On dirait qu'il était attaqué. Hein. Avec la complicité des gens qui étaient tout près de Kanto. Oui, il faut dire la vérité là aujourd'hui. Ils ont donc constaté, donc Penda et Koka, que maintenant le jeu doit se jouer avec toi. C'est-à-dire, la fesse doit se jouer avec toi. C'est toi notre dernier joker. C'est là où vous comprenez que politique, il n'y a pas le jeu de l'âme. Ça m'amuse quand je vois les gens, ils pensent que ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les amusements. Eh bien, et ben, là, on fait comment? Ils disent, non, la fête des SCS là, c'est on, quand on voit l'argent. Donc, si tu as trop peur d'attaquer Kanto, prends le gars de Njoko qui est en forme là, tu dis que c'est lui. Oh, mais c'est en disant ça, c'est Kanto qu'on cherche, ce n'est pas Njoko. Moi, Njoko, ce n'est pas mon ami, hein. Je vous dis, ce n'est pas mon ami. Dans le temps, quand j'étais dans le SDF,
Lui, Djoko, était SIF Europe, donc ils étaient en France là, avec les célestes, jamais le royaume, royaume comme vous connaissez là, jamais là, le royaume, royaume. Ils étaient tous en France avec le SIF et Djoko était SIF. Nous, on était SIF du Cameroun, au Cameroun. Donc, nous, on attendait le nom, les Harry Djoko, les Cécile Diamène, les. Comment ça s'appelle encore? Les Tabessines. Ils étaient plein là à Paris, à l'époque. Les Tabessines. Donc, on dit donc à Benda et Coca, toi, tu dois tout le faire. Tabessine la Samba, mais. Dis que l'affaire de SSA, la... c'est un pas clair. La chaîne perdue. Benda dit, j'ai fait comment? Il parle vrai. Et ça, votre camp de là, dit qu'on dit. Voilà encore notre mot. Hein. C'est là, il va revenir là-dessus. Le mot Audi là, quand on encore, c'est lui. Voilà quelqu'un, ils sont encore un nouveau mot. Parmi les là pour sortir que des mots. Des mots qui existent et qu'on n'a jamais utilisés. Depuis les années 60, des années d'indépendance, quel régime a déjà utilisé le mot Audi? Jamais dans l'histoire du Cameroun. Quand on lui prend toujours des mots, il vient mettre sur la table. Et il avait Audi. Penda a donc cherché Audi là. Ils ont fait le travail. Et on lui dit, Audi que tu vas faire là, quand on n'a pas été au courant, d'ailleurs, quand on n'était pas au courant de Audi, non. Quand c'est sorti, le rapport est sorti, c'est quand on est. Quand tu as constaté le rapport comme vous et moi là. Sur le marché. Et le rapport était flou. Maintenant, on a semé dans le doute dans ce rapport. Pouf! L'argent, on dit que c'est pas perdu, on dit que c'est perdu. Donc, on n'est pas bien, même t'as dit que le résultat que le cabinet avait donné était très flou. Mais c'est ce flou-là que les gens leur voulaient. Ils prennent le flou-là, ils disent, oh, quand toi as voulu l'argent. Là, il n'est pas le pardon du coup, il dit, non, non, quand toi as voulu l'argent. Ils sont sur les parquets des hommes. On est pas de Kanto. Et sur la rue, on a pris le nom du coup là-bas. Non, on dit Kanto. Ok. Kanto dit, ok, c'est pas un problème. Je comprends la stratégie. La stratégie, c'est de me salir. Prendre mon nom, mettre dans une affaire, et puis me salir. Dire aux Camerounais qu'il est un voleur aussi. Parce que c'est ça qui est important. Il faut démontrer aux Camerounais que Kanto est un voleur. Il a pris l'argent du Camerounais. Parce qu'ils ont dit que oh, l'argent de la Coupe du Monde était parti à Washington, Paris, New York, etc. Et ils veulent dire que Kanto aussi a fait ça. Kanto a dit ok, il n'y a pas de problème. Kanto a maintenant lui-même dit je vais moi-même contacter des cabinets experts dans le domaine. Et je vais leur demander de faire encore l'audit et de me donner le résultat. Et comme il est aussi sincère, c'est M. Le Canto, il a pris trois cabinets, je dis trois. Je vous assure, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un soit aussi transparent? Il a pris trois. Je vais vous poser une question. Les cabinets, la aide à l'endroit, n'est-ce pas, il faut les payer. Quand on vous a demandé quelque chose pour payer ce cabinet-là, pour sa notoriété, pour son honneur, quand on a mis de l'argent pour que les trois cabinets-là travaillent et lui donnent le résultat, et que si l'argent a été détourné, seuls les responsables seront frappés, punis. Quand on a été clair dans le discours qu'il avait prononcé ce jour. Vous savez ce qui s'est passé après, hein? Paris général à la présidence. Parce que là, Penda est en contact avec la présidence. Posez-vous la question, pourquoi Kanto prend trois cabinets alors qu'il a bien plein de cabinets à Paris? Le cabinet l'a dit, nous on n'est pas là parce que le gouvernement nous a dit, non, on ne veut pas, ne nous touchez pas. Le gouvernement nous a dit que si on touche dans cette affaire, il nous refuse le marché qu'on a au Cameroun. Allez donc voir qui la main de qui était derrière ça. Une fois de plus, Penda et Coca intervient. Parce qu'il sait que le résultat sort, lui là, sort dehors. Quand toi a dit, ok, il n'y a pas de problème, laissez. Quand toi est maintenant parti chercher trois cabinets d'experts,
Mon frère, vous savez, chez les Blancs, quand on dit espère, là, ce n'est pas les histoires qu'on blague au pays avec. Espère, en c'est plus, espère. On ne truque pas chez les Blancs. Espère, c'est espère. Ça veut dire qu'il n'a pas passé que son temps à faire ça. C'est ce qu'il veut dire espère. Elle dit spécialiste. Quand tu, on te dit que tu es spécialiste dans tel domaine, comme par exemple, dit docteur Bayebek, professeur Bayebek, il est spécialiste. Dami, c'est faux. Quand people dem so. Dami, c'est il va opérer people. Quand chom. Il est un spécialiste. C'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs en Afrique. Professeur Bayebek. Donc, quand on connaissons dans la, il connaissons dans la valeur des experts. Lui-même, c'est un expert, non? Dans la vos juristes, vous connaissez juristes. Il est bien expert. Donc, quand on va choisir dans des cabinets spécialisés dans le domaine là, hein? Donc, les cabinets, vous l'avez compris là, en Hollande, en Inde là, ils ne font que ça. Donc, les gens sont allés à l'école. Ils ont passé des années à l'école pour apprendre cette affaire que comment on fait l'audit. Ils ont donc. Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le pouvoir dit. On ne pourra pas passer comme tout dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là, derrière ce cabinet-là. Ils ont cherché ce cabinet-là, ils ont trouvé. Ils ont encore investi de l'argent là-bas. Les gars, nous voulons un résultat. Écoutez-moi très bien. Parce qu'ils ont su que leur corruption là passe partout. Ils ont commencé par la Hollande, les deux cabinets là-bas. Mais les Blancs ont dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et faites un truc où on va dire que l'argent est perdu. Tout ça, vous démontrez que l'argent est perdu. Ça veut dire quoi? Faites un truc que l'argent est perdu. Ça veut dire quoi? Et ne comprenez rien. Parce que tu sais, vous savez, par exemple, dans ce pays où je dis là, en Angleterre, si tu es un policier, si tu vas dans un policier de stop et puis, par exemple, voilà, ce qui est pas une enseigne. Dernièrement, quand il y avait le confinement là, ici, en Angleterre, le policier te dit, hey, please, get off from here. Quelle infirmière, comme nous étions partis à la manifestation, please, Mr. Kenta, we don't want to see you here. Bam, full stop. 5 minutes, I'll give you. I'll give you a fire. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dégage. Sinon, on me donne le fire de 1000 pounds. Et toi, maintenant, tu passes la télé, tu dis non, laisse-moi, je vais faire ça. Puis moi, je veux des chocos. Répète again. Donc il va prendre, il va t'enregistrer. Corruption, il se craint. C'est un crime dans ce pays. Corrompre quelqu'un. Donc, le Camerounais bien est parti jusqu'en Hollande dans le cabinet là pour chercher à corrompre les Hollandais. Donnez-moi un résultat qui démontre que quand tu as donc volé l'argent. Les gars, on ne sait pas de quoi vous parlez. Hein. Vraiment, excusez-nous. Donc, les gars ont fait leur travail, ils ont zappé le gouvernement, ils ont appelé Kanto. Kanto, le résultat est sorti, on t'envoie ça. Et non, c'est un problème de computer. Hein. C'est un problème de computer. Donc, là. Attention à voler, c'est un problème de computer. On avait fait que ça soit en euros. Point. Donc le système avait fait que ça soit qu'en euros. Maintenant, comme les dollars sont entrés dedans, avec les dollars canadiens, les dollars chinois et tout ça mélangé, le computer donc confuse. Computer donc confuse. Ah, il faut dire computer, c'est l'argent que vous voyez, vous versez là, ce n'est qu'en pound. En euros. Et maintenant, vous ne dites pas au computer que. Écoutez le direct qui est en train de passer là. Parce que voilà, ma pas aussi attaqué. Oh. Ma pas de direct aussi attaqué. Donc, je fais le direct là pour vous faire réécouter les propos de Caporal Grillé dans son live de il y a quelques jours par rapport à suivi Cameroun qu'on a fait au Cameroun, les dons, et comment le Cameroun est prêt à aller magouiller partout
pour avoir du faux, sauf qu'ils ont oublié quelque chose. La corruption avec certains Français en Afrique, je pense que ça se passe là-bas, vous manigancez là-bas. Mais une fois sur le territoire européen, si c'est en France, ils peuvent accepter parce qu'ils sont habitués. Mais d'autres pays là, ça va causer que des guerres. Bah, si quelqu'un accepte la corruption avec vous, il va perdre son boulot. Il va perdre son boulot. Ce que vous demandez aux gens d'aller falsifier les documents pour vous dire qu'il y a eu l'argent qui est perdu là, ça va être comment? Parce que tout ce qui se passe ici, c'est avec des traces, des preuves. Ici, même si tu es allé à l'école quelque part, ça fait 20 ans, tu retournes, on tape la machine comme ça, on voit ce que tu étais là-bas, tu avais fait. On ne corrompt pas ici, oh. On ne corrompt pas ici. Quand il y a erreur, on dit qu'il y a eu erreur. Quand il y a eu vol, on dit qu'il y a eu vol. On ne ment pas sur quelqu'un. On ne connaît pas comment on ment sur quelqu'un. L'histoire de fabriquer les mensonges là, ça reste au Cameroun. Avec le gouvernement de Paul Biya et lui-même. Parce qu'ils sont champions. Et quelques leurs racines qu'ils ont implantées ici à l'étranger. Donc, aller demander en Hollande qu'on vous falsifie les documents, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas marcher. Parce que celui-là va aller trouver les ingénieurs ou bien les informaticiens qui sont en train d'étudier pour commencer à aller montrer le faux. Le blanc ne connaît pas ça. Oh. Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Ici, même quand on fait l'erreur médicale, on signale directement pour qu'on sauve la personne en disant tout ce qu'on a fait. Donc, on ne cache pas. C'est là-bas chez nous, quand on fait, on cache. Tu vois, quelqu'un souffre comme ça, il va mourir. Tu as peur de dire la vérité parce qu'on va connaître ce que tu as fait. Pourtant, c'est un accident. Si c'est un accident, tu dis, on le sauve. Hmm? Donc, suivez bien le direct. Ceux qui attaquent mon direct, là, laissez mon direct tranquille. Essaye de faire ça aussi comme ça. Si l'agent des chinois entre dedans, fais comme la nuit. Si l'agent des chinois entre dedans, fais comme la nuit. Fais comme la nuit. Compris dans le nom de la so, quand il y a la virgule comme ça, ça change tout. Et si elle avait été quand on dit 5 ans, c'est 5.00. Alors que peut-être en Europe là-bas, mais 5 ans, c'est 5, quelque chose. Ça gâte tout. C'est pour ça qu'on a vu tous les morales. Non. Le Cameroun l'a dit quand on a pris le téléphone. Voici notre résultat. Il n'y a pas de problème. C'est compliqué qui a fait ces problèmes-là. Quand on dit que ça veut dire qu'on n'a pas volé, on n'a pas volé l'argent. Quand on dit ok. En tout cas, ça, c'est le premier résultat. Il prend le dossier, il met de côté. Après quelques jours, le téléphone de Kamto sonne encore. Mais ça, Kamto, ça, c'est notre cabinet. Le cabinet a dit, papa Kamto, voilà le résultat. Personne n'a volé l'argent. Même le résultat, c'est le premier cabinet. C'est que je vais vous dire, c'est la magie. Le dernier cabinet, c'était le cabinet indien. Le gouvernement s'est dit, comme les Indiens là, ils sont comme les Africains là, pour les corrompre, c'est rien. Ils sont allés là-bas, en Inde, pour chercher maintenant à corrompre. Les gars ont dit, écoutez, nous, on va faire le travail. Mais si vous décidez qu'il peut y avoir quelque chose qui... On va voir ce qu'on va faire. Ils sont restés là-bas en Inde. Parce qu'ils étaient sûrs que les Indiens, c'est la corruption, ça va passer. Ce qu'il vous dira, mais vous allez dire que Kaboul est en train de raconter. Donc, ils sont partis en Inde. Le cabinet spécialisé là, ils ont fait le travail. Ça a donné le même résultat, c'est-à-dire qu'à fait de computer. Ce n'est pas que l'argent est perdu. Ils ont dit, mais vous ici en Inde, c'est là où il y a les plus grands magiciens du monde. Comment vous pouvez dire, cherchez même les magiciens pour venir voir ces affaires de computer là et pour nous trouver quelque chose même dans la magie. Ah, mais vous n'allez pas ça comme amusement, mais écoutez-moi très bien. Même les sorciers sont entrés dans ça. L'Inde, c'est le plus grand pays de magie au monde. Et ils ont aussi fait non. Et le cabinet a dit, si les gars s'ils disent qu'il n'y a rien, oublie.
Oublie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, cette ethnie-là, même les marabouts sont anti-dedans. Les grands sorciers de l'Inde sont anti-dedans. Ils n'ont pas sauvé. Pas de faute. Il n'y a pas. Perdre l'argent, tout est bon. N'a pas fait vos computers. Maintenant, les gars, on dit. Quand vous comprenez l'histoire, si vous comprenez le pourquoi au Cameroun, depuis 40 ans, même si on t'agresse, même si on te tue, on n'a jamais de résultat. L'enquête n'aboutit jamais nulle part. Parce que quand on ouvre l'enquête, il y a toujours des gens qui vont aller corrompre et les juges et les enquêteurs et tout le monde. Et le dossier va partir comme ça. C'est pour ça, si tu t'amuses, c'est toi-même les victimes qui te retrouvent en prison. Si tu veux trop ouvrir les yeux, tu vas finir par mourir toi aussi. Parce que si les gens traversent derrière les frontières pour aller demander s'ils peuvent corrompre les gens, surtout en informatique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut que vous arrêtez à un moment donné. Mon téléphone qui est posé devant moi, là, je vais aller dehors acheter le crédit. Je vais taper ici. Je tape là, je mets l'argent. Après, si je fais l'erreur, si en mettant l'argent, je n'arrête pas les données mobiles, l'argent va partir. Je dis, si je n'arrête pas les données mobiles avant de mettre l'argent, l'argent va partir. C'est parti. Maintenant, je finis, je vais appeler, ça me dit qu'il n'y a pas l'argent. Pourtant, je viens de mettre l'argent. Tu prends le même téléphone, tu appelles. Les informaticiens, ils sont dans leur bureau, tu es ici. Dès que tu appelles, tu dis, je viens de charger, là, je ne vois plus l'argent. Ils vont taper. Ils vont voir que, au moment où tu as chargé, pourquoi tu n'as pas arrêté les données mobiles? Ça a bouffé. Est-ce que tu vas dire que, comme ça a bouffé, là, ils ont volé? Ils n'ont pas volé. C'est toi qui as oublié de manipuler quelque part. Et quand tu ne manipules pas là-bas, si tu mets l'argent, ça bouffe. Ça part. Tu vas accuser quelqu'un. Parce que comme ça a bouffé là, il ne peut pas te rembourser. Mais si tu grades le crédit et tu mets, ça te dit toujours que ce n'est pas entré. Tu vas rentrer, ils vont voir pourquoi ça fait ça. Et ils vont te recharger à partir de leur bureau là-bas. Mais l'erreur que toi-même tu commets là, que ça crée les problèmes là, tu ne vas pas accuser quelqu'un. L'informatique, on ne joue pas avec. On ne joue pas. On peut jouer avec d'autres choses. On ne joue pas avec. J'ai vu un bandit chez vous là, en prison, qui réussit à voir les numéros des gens. Ils appellent les autorités des autres pays et tout. Quand vous voyez les gens comme ça, normalement, vous devez le sortir de la prison pour aller l'exploiter. Bah, c'est un génie. C'est un génie. Mais, comme nous sommes dans un pays où tout le monde vole, tout le monde est, comme on voit là, vous allez continuer à le mettre en prison. Pourtant, chez les Blancs, on exploite son cerveau là pour enseigner d'autres personnes. Parce qu'il faut être très fort pour être en prison et réussir à faire ce que le voleur là est en train de faire. Il n'a pas assez de matériel. Il n'a pas d'ordinateur. C'est à partir d'un petit téléphone que lui, il opère tout ce qu'il opère là. Jusqu'à vous entendez qu'il était en train d'attendre ou c'est sans combien de millions qu'il est venu. Il a reçu même déjà une petite partie, même si c'était petit. Mais ça, c'est un génie en informatique qu'il faut exploiter. Mais comme vous là-bas au Cameroun, là, vous croyez que les génies, c'est ceux qui ont mis les cravates, qui sont dans les bureaux, les diables habillés en brada, là, comme on dit là. Comme vous voyez ses pieds comme ça, là, tordus là. Maman, ici, les enfants un peu, qu'on dit chez nous, les zinzins, là, ils ont des voitures qui viennent les chercher,
qui les amène à l'école, qui les ramène. On les paye plus que ceux qui sont bien. Parce que ce n'est pas parce qu'il est zinzin. Il y a un zinzin qui s'assoit. Il prend ses mains-là. Il fabrique quelque chose que toi-même, tu ne peux jamais fabriquer. J'ai dit, le monsieur que j'ai vu ça, je ne sais pas. Peut-être c'était sur Facebook. On a dit qu'il a pris les numéros des ambassadeurs et commencé à appeler. Mais ça, c'est un monsieur que vous ne devez même pas le mettre en prison. Vous devez l'encadrer. Vous devez profiter de son savoir. Et parfois, les gens comme ça, ils ne sont même pas allés à l'école. Puisqu'ils ont ça, là. Mais nous, chez nous, en Afrique, notre part de sorcellerie, parce que Dieu a donné la sorcellerie à tout le monde, pour nous, c'est seulement pour faire du mal. Celui-là qui sort, qui vous montre qu'il peut prendre un téléphone et aller quelque part piquer un numéro, il n'a pas demandé à vous, oh. Il a utilisé son cerveau, il a trouvé un numéro quelque part qu'il est parti chercher. Il a pris, il est entré en contact. Vous voyez? C'est comme s'il a commencé à appeler les gens. Les autorités, les hautes personnalités des autres pays. Au lieu que vous l'exploitez, vous allez le prendre. Vous allez aller l'attacher même avec les chaînes, multiplier pour le jeter en prison. Le tabasser. Non. Vous êtes dans votre pays, on vous verse l'argent, ça vous dépasse de gérer, vous volez seulement. Mais celui-là alors a décidé de ne pas le faire au pays. Il cherche comment faire entrer. Quand ça entre, c'est le Cameroun qui gagne. Ça, c'est un enfant que vous devez encadrer. Vous devez le laisser pour que les autres exploitent. Vous ne devez pas, sa place n'est pas en prison. Sa place n'est même pas dans la galère là où il est là. Ça, c'est quelqu'un que vous devez l'encadrer pour qu'il aille enseigner ce que lui connaît là. Maman, les Blancs, quand ils voient les jeunes comme ça, ils les récupèrent. Pourquoi il est le seul? Il y a des petits-enfants dans leur chambre. Ils sont sur l'ordinateur seulement à vider les comptes des gens. Tu ne connais pas comment ça se passe. Voilà pourquoi parfois tu restes. Il y a un argent que tu vois dans ton compte comme ça, après tu ne vois plus. Parce que la personne a fait transaction par là-bas pour partir avec. Celui-là est bien. Tout ce qui est bien chez vous, c'est à détruire. Ce qui est mauvais, c'est ça que vous gardez. Quelqu'un se lève, il y a pandémie. Le gouvernement qui devait être là, pour la sécurité de la population, vous les abandonnez à eux-mêmes. Un citoyen, un noble citoyen se lève, il réfléchit. Il sait que lui seul, il ne peut pas. Il lance un cri d'alarme en disant que nous sommes abandonnés à nous-mêmes parce que lui-même est dedans. Car le gouvernement ne lui a rien donné. Aidons-nous les uns les autres. N'importe qui a cotisé. Ce n'est pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas. Mais ceux qui ont, ont donné un peu. Ça a donné ce qu'on a vu. Au moment où on cotise cet argent, vous avez cherché à bloquer même les comptes. Vous êtes d'abord parti créer un autre pour embrouiller les gens. On ne s'est pas découragé. Au niveau du Cameroun, vous avez bloqué tous les comptes des gens pour qu'on n'entre pas en position d'argent. On n'a pas fait quelque chose. Maintenant, on a décidé qu'on laisse M. Penda et Coca gérer cet argent. Le concerné même a jugé de ne pas toucher cet argent. Parce que ce n'était pas son argent. Il a juste demandé de l'aide, envoyé sa voix pour demander qu'on cotise. Il n'a même pas touché. Si l'argent a été rouge ou blanc, il ne connaît pas. Lui, il a lu aussi comme nous, on lisait aussi. La personne qui a touché, qui a vu la couleur de l'argent, qui a touché l'argent, c'est Penda et Coca. Henri Dioko a juste
donner les comptes, ouvrir la porte, comme tu peux ouvrir la porte, on dépose quelque part un sac et après on te dit que le sac là va à telle personne. On a remis le sac à la personne. Maman, dans les normes des choses, si l'argent même arrivait à se perdre, qui devait être le suspect numéro un? C'est Pendai Koka lui-même. Pas celui qui a touché les espèces. Personne d'autre n'a touché les espèces, c'est lui. Donc si dedans l'argent a été que quoi? C'est lui qui a touché. Comment tu peux toucher quelque chose toi seul? Après, c'est toi seul qui dit qu'il y a eu le vol. Et c'est toi seul qui commence à cibler les voleurs. Est-ce que ça colle même? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit les choses comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un se lève parce qu'il se soucie des Camerounais. Il a peur de nous voir mourir comme dans d'autres pays, comme en Chine et en Inde. Il crie, on cotise. Maintenant, au lieu de lui dire merci pour ce qu'il a dit, les gens trouvent qu'ils vont lui coller encore une tache noire pour dire que, oh, il a volé ce qu'il vous a demandé de cotiser là. Comment on peut voler quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'a pas touché? Hein? Il faut qu'on soit les gens de Camerounais, même comment? Parce que quand on dit impossible n'est pas Camerounais, même un bébé de 3 ans, 4 ans, comme le petit Aol là, quand tu lui dis que tes chaussures là, c'est comment, non? Lui-même, il te répond. Hein? Donc, quand vous voulez mentir, vous avez tellement fait du mal que vous ne savez même plus composer le mensonge. Vous êtes incapable même de formuler quelque chose jusqu'à ce qu'on ne vous attrape pas. Quelqu'un qui demande, on donne pour le plus démuni, celui qui n'a pas. Vous l'accusez, vous voulez l'accuser. Encore, vous mettez les autres dons pour vouloir faire la concurrence. Les mêmes Camerounais cotisent pour que vous preniez pour aller sur les chaînes de télévision ou de radio, tout ça là, pour vendre le même peuple. Je dis, on cotise, vous prenez l'argent du pauvre Camerounais, vous partez sur des chaînes pour les saquer, pour détruire leur seul espoir. Parce que depuis 40 ans, le Camerounais lambda souffre. La personne qui ne souffre pas au Cameroun, c'est celui qui fait partie du cercle des voleurs, dont le gouvernement là. Parce que c'est un gouvernement des voleurs. Il n'y a personne dedans qui ne vole pas. Et ils volent. Tous. Les faux marchés, oh. Les faux chèques, oh. Les bois dans les forêts, oh. L'or, oh. Les diamants, oh. Le pétrole. Vous volez tout. Vous avez volé jusqu'à clôturer le vol à l'agent du COVID. C'est-à-dire, vous volez jusqu'à vous voler l'argent des morts. Parce que l'argent du COVID, là, c'était destiné aux gens qui peuvent avoir le COVID. Aux morts des COVID. Vous avez volé pendant 40 ans jusqu'à vous avez clôturé à l'argent du COVID. L'argent du sang, vous avez clôturé avec. Donc, vous êtes maudits. Maudit, plus. Le Jacques, même si on vous lave même 10 fois, ça ne va pas finir. Si on met même le sel, on vous lave, ça ne va rien donner. Vous êtes tellement maudit que quand on vous regarde, allez voir comment M. Pendai Koka est devenu. Allez voir.
C'est-à-dire que il est devenu bizarre. On dirait qu'il maigrit. On dirait qu'il dénoircit. Il était déjà noir. Mais le noir de maintenant, vous savez qu'il y a l'autre qualité de noir là, que c'est quand on sort un mort noir du frigo, de la morgue, on dépose sur la table que tu vois la qualité de noir. Un noir avec un peu de blanc, comme si on avait mis la poudre blanche sur ça. Allez regarder le monsieur là. C'est comme ça qu'il est devenu. Un peu comme... Ils sont bizarres, oh. Les traîtres au Cameroun là sont bizarres. Il faut bien les regarder sur leur visage. Allez voir Maître Alice comme. Maman, quand elle fait les photos, parfois il regarde son visage comme elle. Le sourire a fui ce visage de la madame si. Mais avant, elle était... Mais son visage n'était pas comme ça. Le visage est devenu bizarre. Allez regarder le visage de Benjamin. Tu veux mettre sa tête comme ça? Maman, il vous répond sur Facebook parce qu'il ne peut pas fuir le Cameroun. Il ne sait plus là où aller. Il est dépassé. Donc, alors, n'en parlons plus. On ne la voit plus. C'est qui est en train dans les rigoles. Elle écarte ses pieds pour dire qu'elle est la héroïne. Elle est quoi, quoi. Et elle-même qui tenait le micro. Envers qui? Envers Kanta? Envers qui? Envers Kanta? Kanta! C'est comme ça qu'elle faisait. Hey! Donc, elle était partie où c'était à Baham, où c'était à Mbati, où c'était où? Garamba Kalabo! J'ai dit que, hey! Elle est déjà intégrée comme ça. Le pays là, Samoanda. J'ai dit, hein. Donc il parlait de là où c'était le Batché, où c'était le Baham. Gapi Yolo, Pouga. Regardez leur visage. Maman, vous savez, quand vous menez le bon combat, même dans la galère, je dis même dans la galère, on ne paie pas son sourire. Même quand tu es malade, même les prisonniers qui font 2 ans de la prison, ils sortent. Regardez leur visage. Il y a la lumière, il y a le sourire qui est là-dedans, dans leurs yeux. Tu sens que l'espoir est toujours là. Mais les traîtres là, vous n'avez pas besoin qu'on mentionne sur les papiers pour vous dire que voilà un traître. Voilà, voilà, voilà. Le traître là, fan seul. Quand tu le regardes, tu crois qu'il a pris 50 ans. Pourtant, quand on commençait, on voyait comment tout le monde était. Vous n'avez pas besoin de doigter les gens que les traîtres. Moi, je lis les traîtres sur leur visage. Oh. Parce qu'une fois que tu as trahi le combat, c'est comme si on t'avait piqué un peu de l'eau de Javel ou bien du pétrole dans le sang. Ça part dedans, ça fait... Et maintenant, ça vient changer la couleur de ton visage. Tu manges, oh. Tu ne manges pas, oh. C'est la même chose. Tu mets l'huile, oh. Tu ne mets pas là, oh. Et avant, il y aura tous les écailles, oh. Et les écailles qui sont sur ça, si tu fais comme ça, ça va sortir. Comme le genre de pellicule qu'on a gardé les cheveux 6 mois sans laver, là, ça sort comme les couscous là. Un peu comme ça. Tchao! Vous faites tout ça, oh. On vous regarde. Moi, je vous ai déjà dit, oh, quand tu as trahi, sache que tu vas mourir. Il y a plusieurs façons. Oui, il y a plusieurs façons de tuer les traîtres. C'est son commanditaire, c'est comme ça, celui qui l'envoie, c'est le commanditaire, non?
c'est lui qui le finit. Soit il le finit par la famine, parce que c'est un tuyau, quand lui m'envoie l'eau, il boit, le ventre gonfle. Mais si on bloque le tuyau, le ventre là part comme ça. Et vous savez, le traître, quand on lui met l'eau, on met toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si bien que quand on commence à freiner comme ça, ça sort les gouttes, le ventre là commence à partir. Dès qu'on stoppe, le ventre touche le dos. Et sortir. Tiens, les traîtres, maman, quand tu vois le traître quelque part, si tu t'amuses, il va marcher sur tes orteils. Va marcher sur tes orteils. Regardez N'Djamène là, le N'Djamène qui parle là. Quand N'Djamène voulait être maire, c'était à Douala 5e, si j'ai bonne mémoire. Il n'avait pas l'argent du dossier. Quand les gens parlent souvent, ils croient qu'on ment. Quand on lui dit qu'il est chômeur, c'est un chômeur. Un chômeur qui, mais il risque d'être un chômeur à vie. À vie. Chômeur plus. Quand il voulait être maire, il n'avait pas l'argent pour déposer le dossier. Je dis, il n'avait pas l'argent pour déposer le dossier. C'est Racine qui sont en France là, ont aidé pour donner un peu d'argent. Il a déposé les dossiers. Aujourd'hui, il met sa tête comme ça. Il est devenu comme un cadavre qu'on a sorti dans la morgue, qu'on a lavé avec la Beaufort. Parce que pour dégivrer les corps, on verse la bière dessus. C'est comme ça qu'il est devenu. Il met sa tête comme ça. Regarde comment tu es poisseux, N'Djamène. Tu as porté ton sac des fonctionnaires de 1900 euros là que tu traînes. Ben Sikine va arracher un jour tes circuits derrière les Ben Sikine là. Tu es allé au Tchad. Maman, tu es rentré du Tchad par comment? En courant? Parce que tu es allé au Tchad pour ta première fois. Maman, on a tué un président. Maman, comme tu es parti avec la formation du mensonge qu'on t'a appris au Cameroun, tu as dit à eux de dire qu'ils ont tué le chef au champ de Tchi. Qu'on a tué l'autre. C'est qui là? Et Idriss Déby au champ de bataille. Maman, quand vous mentez même, vous ne savez même pas mentir. Mais vous avez tué quelqu'un au champ de tir. Mais c'est comme pour dire que c'est l'adversaire. Pourtant, c'était votre plan. Qui avait quel adversaire au champ avec vous? Il était au champ, maman. Le corps de Déby que j'ai reçu, la balle était par ici, derrière. Quand on te tire par derrière, on dit si on te tire par devant, c'est que tu venais. Mais si on te tire par derrière, c'est que tu fuyais. Qui a tiré Déby? Si ce n'est pas vous-même, les gens de son camp, qui a tué? Puisqu'il était au champ, non, comme vous avez dit là. Mais s'il est au champ, c'est qu'il est en face pour combattre le face à face. Et la balle doit venir de devant, pas de derrière. Si ça vient de derrière, c'est que au moment où il regardait le devant, son derrière même a tiré sur lui. Vous êtes comment? En tout cas, bref, ça c'est ton premier voyage. Le premier voyage que ton poste de traître t'a envoyé en mission. Tu es allé là-bas, on a tué le président au champ de tir. Tu es rentré. Ton prochaine fois, si ce n'est pas le président qu'on tue, peut-être la balle va te ramasser. Comme tu aimes mettre ta tête comme ça là. Notre pays est devenu tellement gâté que les bons sont devenus les gens qu'on doit combattre dans un pays. Je dis les bons sont devenus les gens qu'on doit combattre dans un pays. Moi, je vous ai dit depuis longtemps de ne plus cotiser les litchis. Je vous ai dit ça. Voilà qu'on commence à vous dire que les litchis que vous cotisez sur la toile, là, c'est ça qu'on a payé pour aller sur RFI. Pour nous saquer, pour nous vendre. Parce que les traîtres n'ont rien.
Si vous ne cotisez pas, ils n'auront même pas l'argent de transport pour aller quelque part. Donc, arrêtez de sortir vos agents pour donner aux gens qui n'ont pas de sens. Je dis, ils n'ont pas l'argent même pour déjeuner le matin. Ils n'ont pas l'argent pour prendre le métro. Ce sont des voleurs de métro. Vous ne pouvez pas cotiser votre argent. On prend pour aller détruire ce que nous, on est en train de souffrir pour l'arranger. Yeah. Au départ, moi, je croyais que l'histoire Pendaïkoka, peut-être qu'on n'avait pas bien entendu. Déjà, même la fête, il venait faire les directs tout le temps. Tout le temps sur Facebook en train de faire les directs. Moi, il disait que, mais c'est qui est responsable là, il est tout sur Facebook. Il est tout sur Facebook. Il cherchait comme ça à voir aussi, ça n'a pas de vue. Maman, après, pour se retourner contre vous. Pour vous tuer. Mais les gens sont parfois bêtes. Il y a des niveaux que quand on arrive déjà, on n'accepte plus recommencer en bas. Tu ne peux pas être au sommet de l'échelle. Tu tombes au niveau où toi tu es tombé là, mon père. Hey, ça c'était le père d'avant. Maintenant là, non, non, tu n'es plus mon père. Si même on venait te proposer, maman, je ne sais pas si dans le monde là, vous ne réfléchissez pas bien. Tu allais réfléchir que mais ce que je vais faire là, si ça échoue, je deviens comment? Parce que pour faire un truc comme ça, il faut être sûr à 100% que ça va marcher. Comme ça, tu gagnes ce que tu voulais gagner une fois. Mais voilà maintenant, comme ça n'a pas marché, même le commanditaire même ne sera pas avec toi. Et le peuple, tu ne peux plus faire demi-tour. Tu es déjà vomi. Vomi jusqu'à. Parce que moi, même si je n'ai pas mis au marché, je trouve un papier, toi, on a écrit Pendaïkoka, je ne veux pas acheter. Parce que je ne veux pas encourager pour que ça marche. Je ne veux pas acheter. Tous les jours, quelqu'un vous prend. Venez, on va réussir ensemble à faire. Que le gouvernement là tombe, pour que le Cameroun soit bien pour les jeunes, pour les enfants, les générations qu'on a bouffé leur jeunesse. Maman, tu dis oui. Le oui là, c'était parce que Popol t'avait envoyé. Va être mes yeux là-bas. Tout ce qu'on dit, tu me dis. Tout ce qu'on fait, dis-moi. Yeah. Est-ce que vous savez que même Pendaïkoka est même plus dangereux même que Mpé? Je pense que même, c'est peut-être même en prison que Pendaïkoka a réussi même à changer la tête d'un père. Parce que là, nous, on ne comprend plus rien. Pendaïkoka, qui était notre numéro 2, qui est aujourd'hui devenu ce que nous, on est en train de voir là, maman. Hey, maman, c'est grave. C'est grave. Vous comprenez que quand les gens font les accidents, ils vont à l'hôpital, on les pique, ils meurent comme maître sauf, c'est parce que non, on a le parcours de ce monsieur avant, on livre tout sur la personne. Il vient en prison, il dit qu'il vient voir ses clients, pourtant il venait en prison comme ça, voir ses tueurs, ses criminels. Hey, pourquoi tu as fait ça? Mais tu sois venu te voir, sachant que tu étais son client. Pourtant, tu étais Paul Bien personne, papa. Hein, papa? Tu étais Paul Bien personne. Hey! Non. Tu étais Paul Bien personne. Il venait. Peut-être parfois, il te gardait même quelque chose à manger. Il avait tellement de l'amour pour son pays. Il était un enfant respectueux.
Il vous adorait tellement. Yeah. Donc, vous ne pouvez pas aller en mission et arriver même là-bas changer d'avis pour le peuple. Hein? Hein? Quand Maître Sobgaret, il savait qu'il venait voir. Vous l'avez liquidé. Il croyait défendre une personne. Tant c'était le diable en personne. Son Excellence Moïse Kamtos, un envoyé de Dieu. Mais ça avait beaucoup de temps que nous allons confirmer. Parce que tous les jours, on voit les choses qui nous font trop réfléchir. Tous les jours, nous voyons les choses qui nous font réfléchir. Nous savons qu'il existe des poisons là. Des poisons qui ruinent les gens doucement, doucement, doucement. Ils ont infiltré tellement notre révolution. J'ai dit tellement. Vous voyez pourquoi? Parfois, tu dis, on dit, j'ai voyagé, je n'ai dit à personne. Mais on a réussi à saboter ta voiture. Yes. Quand Maître Sob allait sûrement à l'ouest, il s'était confié à ses clients en prison. Je vais en deuil. Je reviens tel jour. Je vous jure que Mpek n'était pas le plus mauvais. Je pense que Mpek même a été aussi détourné. Mpek n'était pas le plus mauvais. Le plus mauvais, c'est Penda Ikoka qui était à côté. On ne le voyait pas depuis. Et là, il pouvait livrer tout le monde. Quand on venait, on doutait de Mpek parce qu'il était un peu jeune, il était bavard. Le cerveau était à côté. Tout ce qu'on vient raconter, il sait. Il rencontre après. Non. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est mauvais. Je laisse le direct là continuer de l'autre. Alors là, nous sommes finis ou nous sommes là? On fait comment? Et dis donc, mais il n'a pas venu dire que c'est faux. Mais comment on dit qu'on fait comment? Il faut que Penda vienne maintenant faire un discours et dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que il y a toute une équipe qui est préparée pour donner leur soutien au gré à gré. Ah, vraiment, je vous dis, envoyez les cœurs pour Papa Kamto, je vous assure. Ça, je suis sincère dans ce que je dis. Envoyez les cœurs pour Papa Kamto. Alors, les Penda comme ça sont des gars qui vont donc soutenir cette affaire de gré à gré. Vous avez entendu dans son discours, il a dit qu'il va soutenir tous ceux qui pensent qu'ils sont dans les institutions, il va soutenir. Vous n'avez rien compris là-dedans. C'est pour vous préparer déjà. Donc le gré à gré, là, ils vont soutenir. Donc il y a toute une équipe qui est préparée, les leaders, les dieux, Kamto Amini, ils sont prêts. Un bloc des opposants contre Kamto. Mais il vous a fait quoi?
Dieu t'a dit, quand t'as fait quoi? Tu as donné, quand t'as fait quoi? Qu'est-ce que quand t'as fait? L'histoire-ci, là, ça a emporté les gens beaucoup. Ça a emporté les gens, franchement, beaucoup. Parce qu'on a des traîtres partout. Le mec qui vient de mourir dans mon village, là, a payé le prix. Et on dit, c'est quand tu fais deux mariages que tu connais le bon. Tous les jours, il y a des mystères qui sortent au Cameroun et ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Si Mpek était réellement l'homme qui faisait tout ce qu'on pensait, on n'allait pas gâter ses obsèques. Comprenez-moi très bien. S'il était l'homme qui faisait beaucoup de choses, on n'allait pas gâter ses obsèques. Lui, on lui faisait le chantage par rapport à son argent qu'il avait, qu'on lui devait aussi. Maintenant, on le poussait, que va faire ça, va faire ça, va faire ça, on va te donner ton argent. Je pense que ça, c'est son côté. La bouche est bavardée. Mais on avait les mauvais. Et dangereux même à côté, ceux qui n'ont, on n'avait jamais douté. Je parle parce que ici, il dit, les autres leaders sont ensemble pour faire bloc. Quand tu refuses de faire bloc, ou bien quand tu coopères avec quelqu'un de l'opposition, donc si tu es de leur côté, tu coopères avec quelqu'un de l'opposition. Ils vont chercher à te tuer. Parce que eux, ils se disent que tu files la mèche de ce que eux, ils préparent. C'est un peu comme ça que ça s'est passé dans mon village. Et pour finir, le maire est parti. Le maire est parti tout simplement parce que lui, il a gagné un mandat de trop donné par le peuple, par sa population. Et lui, il travaillait beaucoup pour son village. Il avait beaucoup de projets qu'il a laissés comme ça. Il est mort. Quand tu travailles bien, les anciens qui sont dans le même parti avec toi, qui sont habitués à voler, n'arrivent plus à voler. Tu deviens un danger pour eux. Donc, pour être bien là-bas, jusqu'à ne pas mourir, tu dois coopérer, faire comme eux te demandent de faire. S'il y a un budget pour faire quelque chose, ils te demandent que partageons ça. Vous partagez, ne discutez pas. Vous allez partager. Tu ne fais rien. Tous les jours, on crie, on souille ton nom, on fait tout, ça te regarde. Mais celui-ci allait refuser. Le budget, il passait tout son temps à travailler. Et il allait sur le terrain. Même pas le gars qui va te commissionner. Tu vas arriver, tu vas voler. Non, il mettait les bottes, il partait. On a fini avec lui. On a fini avec lui, ils ont inventé que c'est le COVID. Il est avec sa femme tous les jours. Il est malade tous les jours, tous les jours. Les premiers médecins qui l'ont reçu à Bafoussam n'ont pas vu de COVID. C'est quand il voyage, et il voyage comment? Pour aller à Yaoundé, c'est quelqu'un qui appelle pour exiger que le ministre de la Santé a tout mis pour sa santé. Pourtant, c'était le plan pour aller les égouiller. Il est parti. Ils ont fini le travail. Ils ont dit c'est COVID. Pour empêcher même ses enfants de l'enterrer. Comme si ça ne suffisait pas. Ils font un programme où ils détaillent les choses que nous n'avons jamais vues. C'est grave. C'est grave. Son Excellence Maurice Ramto est venu sortir dans un pays où, à cause de lui, les grands voleurs n'arrivent plus à voler comme ils volaient avant.
D'autres volent, mais pas eux tous maintenant, parce qu'un peu, il y a les yeux un peu partout. Les faux marchés ne se donnent plus comme avant. Et ça fait que tous ces démons, les voleurs-là, ils sont agités un peu partout. Un peu partout. Et quand c'est comme ça, ils font même des réunions pour voir comment ils peuvent faire jusqu'à t'empêcher de ne plus les parler, de ne plus empêcher leur mangeoire. C'est pour ça, vous voyez, les voleurs cherchent même l'argent pour aller sur RFI, pour chercher seulement à salir Kamto. Parce que les voleurs ne sont pas que les Camerounais au Cameroun. La majorité des voleurs au Cameroun, ce sont les Français. Donc, depuis 2018, le vol ne marche plus bien au Cameroun. Parce que quand tu pars pour mettre la main, tu as peur que ça va te caler au cou. Parce qu'il y a un nom là. Il y a un monsieur Kamto quelque part. Il sent lui l'odeur même du vol. Donc, eux, ils ne volent plus comme avant. C'est grave. Les Français même, les contrats, ça fait comme ça. Et eux, tous là, les voleurs nationaux et les voleurs internationaux, ils sont comme ça. Ils réfléchissent sur une seule personne. Maurice Kamto. Nous allons faire comment pour fermer la bouche de celui-là? Si nous tirons sur lui, on va voir que c'est flagrant. Si nous l'empoisonnons vite, vite, on va connaître que c'est nous. On va faire comment? Ils ont cherché, ils cherchent. Ils ont dit non, si on commence à aller même sur les chaînes de radio, on parle, peut-être ça va même faire quelque chose. Maman, quand c'est le caillou dans l'eau, hein? Vous allez faire tout ce que vous allez faire là. Maman, c'est pour ça que je vous demande souvent que mettez vos genoux par terre. Priez pour mon père là. À cause de lui, j'ai acheté une croix et la main du Seigneur. J'ai mis ici. J'ai mis le jujube dedans. Le jujube là, je vous avais dit, c'est le jujube de son excellent Maurice Kamto. Le jour que il va être libre, je vais lui mettre le jujube là. C'est depuis des années, c'est là-bas dedans. Je vais lui mettre ça en main comme ça. Je vais lui dire, casse ton jujube là et tu manges. Le jujube là est là, depuis 2018. Avec la croix et la main du Seigneur comme ça. C'est là. Ils sont là partout, ils ne dorment plus. Les gros poissons du Cameroun, les gros poissons de France, ils sont là. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils ne savent plus comment ils vont faire. Ils réfléchissent. Ils sont allés sur RFI. Maintenant, après RFI, on ne sait pas par où ils vont partir. Et les menteurs là, et les traîtres là sont bizarres. Celui qu'on appelle les bonbons pasteurs là, regardez, regardez ses yeux, maman. Regardez. Ça, on dit qu'il est avocat. Ça, c'est le genre d'avocat qui défend que les tueurs en série. Je dis, c'est le genre d'avocat qui défend les tueurs en série. C'est-à-dire, tu as fini de tuer. Tu as fini de violer les enfants. Tu donnes le dossier à Maître Timan. Il va dire que celui-ci n'a jamais tué. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle viol. Oui, vous n'avez pas bien vu. On va dire, non, maître. On a fait le prélèvement. On a trouvé ces trucs là-dedans. Il va dire non! Ce monsieur, vous avez pris ça dans un préservatif, vous avez mis. C'est pas lui! C'est ça, Maître Timban. Maître Timban peut gagner le procès de Dutrou. Dutrou, c'est un violeur belge qui a séquestré les petits enfants. Ils sont morts de faim, les petites filles. Lui,
Non, il va gagner la qualité de procès là. Il va gagner. Ça, c'est quelqu'un qui met être l'avocat de la Tanganji. J'ai dit que tu mérites être l'avocat de la Tanganji. Tu es bon pour défendre les criminels plus. Parce qu'il y a criminels et criminels. Vous savez que les voleurs qui volent 1000 francs, on va dire que voleur égale voleur. Mais non! Les voleurs, comme les Français qui portent les badauds, les diamants, tous les forêts équatoriales jusqu'à maintenant là, le truc de climat est gâté, l'environnement, on ne peut plus respirer. Je suis sorti hier, la pluie m'a mouillé jusqu'à, il pleut maintenant, on ne comprend même plus rien. Même météo ne voit plus rien. Il y a voleurs et voleurs. Hush! Timban, avec tes cheveux, je ne sais pas si c'est ébouriffé. Tu pars à LFI. Maman, pour détruire la lutte du peuple. Parce que toi, tu seras le ministre de la Justice camerounais dans le gouvernement qu'on a rendu là. Ou bien tu vas être quoi, ambassadeur ou ministre de quoi, intérieur en France, I don't know. Tu seras quoi? Donc comme ça, tu peux venir te mettre sur Facebook, tu commences toi doucement, doucement, tu dis, si je collabore avec des méchants, je fais comme ça, je vais devenir quelqu'un. Depuis que tu es en France, je sais que tu es même français, tu n'as rien eu, c'est maintenant là, tu vas détruire la lutte des Camerounais, le sacrifice que nous avons fait, que toi tu vas devenir quoi, monsieur Timban? Hey! Timban, c'est quel nom, maman? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Et le Timban et le Coca. Maman, mirez vous-même au moins. Les méchants, là, se ressemblent jusqu'à. Et ils sont solidaires. Je dis, les méchants, ils sont solidaires. Et ils se ressemblent. Regardez leur visage. Ils sont tous comme des cadavres qu'on a retirés à la morgue de la cantine ce matin. Lavés. Comme ça là. On ne vous voyait pas hier. Vous êtes venus entrer là. Nous, on vous a élevés. Aujourd'hui, il faut que vous nous renversez avant de. Non, même Dieu ne va pas dormir. Nos ancêtres ne peuvent pas vous laisser comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Non. Ils sont beaucoup comme ça. Les traîtres là, les voleurs. Vous venez jouer avec la lutte des Camerounais. Maman, les générations sacrifiées. Vous jouez avec leur lutte. Maman, faut qu'on vous respecte. Tout ça, c'est à cause de vous, peuple camerounais. Arrêtez d'être bête, arrêtez d'être naïf. C'est vous qui cotisez l'argent et on prend l'argent. On nous finit avec. On veut nous griller comme les soyeux, les bâtons comme ça au feu. Pour aller au marché, une bobine, pour vendre. Je mets le caporal grillé et continue. Vous vous montez dans la télévision, vous parlez mal de lui, il vous a fait quoi? Je vous avais dit que c'est-à-dire que la stratégie d'encerclement, quand je venais m'écouter des vidéos de je vous avais dit qu'il y a une stratégie d'encerclement. Encercler Kamto et l'isoler. Ils ne vont C'est pas ça qu'on met comme ça en application déjà. Donc, Benda est venu. Il dit, vous croyez à ça? Lui-même qui sait qu'il était un grand économiste, il ne peut même pas dire des choses comme ça. Quand vous dites des choses comme ça, vous croyez à ça? Vous venez avec le contre-expertise, vous dites que Kamto
Kanto a menti, voici ce que... Attends, il y a des mots qu'on ne doit plus utiliser. Vous savez, moi, je n'étais pas trop à l'école. Il était un grand économiste. Dans quel pays? Dans le Cameroun qui est foutu, qui est dans la poubelle là? Il était économiste dans quel pays? À l'étranger? Hein? Il y a des mots que vous ne devez plus utiliser. Parce qu'on voit les criminels partout, des tueurs, on continue toujours à les élever et tout. Il était économiste dans quel pays? Le pays là qu'on n'arrive plus à payer les fonctionnaires depuis from là, il est fini dans la caisse. Il était économiste de quoi? Il faut qu'il économise son cerveau là, avant de faire ce qu'il est en train de faire là. Hein? Économiste c'est quoi? Apprenez à faire les économies. Paul Biya a mangé tout l'argent qu'Ali lui avait laissé. Il était où pour ne pas faire économiste? C'est ça, économiste? C'est faire les économies, non? Hein? C'est calculer quoi? L'argent du pays et montrer comment ça va se passer? Et Paul Biya toujours avec l'argent. Il était où avec son diplôme de c'est économiste ou c'est quoi quoi? Hein? Maintenant, il est venu nous trahir. On dit qu'il est économiste, économiste. Il faut aller économiser ton cerveau chez toi. On a volé. Mais tu ne peux pas dire ça. Comme Baye Bekati là, non, comme le bousser Baye Bekati, tu peux seulement dire vraiment, bah, non, c'est faux. Que bon, je ne crois pas. Donc, on a Thomas. Ne crois pas alors. Mais si vous insultez même ces experts-là, et sachez qu'on va maintenant pour même engager des plaintes contre vous. Parce que ça, c'est une insulte à l'intelligence des gens qu'on appelle experts. Mais vous insultez les experts. Parce que vous-même qui parlez de l'audit judiciaire. Attends, quand lui-même il dit que. Attends, maintenant là, je m'adresse à Emmanuel Kepta. Quand toi tu dis qu'on insulte les experts. Ils n'ont rien dans le cerveau, ils n'ont que le vol. Les experts les empêchent de voler. Comment ils ne vont pas les insulter, mon frère? Comment tu peux poser aussi la question comme ça? Hein? Le Cameroun là, est gâté. Experts, tu ne vois pas celui qu'on appelle Onanguine. Là, il a fait jusqu'à ça. Après, il est devenu tordu comme ça. Il y a quelque chose qu'on respecte encore au pays là. Voilà le seul homme qui nous reste, qui est son excellence Maurice Kamto. Hein? Tous les jours, les gens ne dorment pas dans un pays. Ils réfléchissent comment ils vont faire pour enterrer l'homme là vivant. Il vous doit quelque chose. Il vous doit quelque chose. De toutes les façons, sachez que avant de l'enterrer, vous allez enterrer au moins 25 millions de Camerounais. Parce que si on est 30 millions, nous, on vous laisse 5 millions. Je ne suis même pas sûr que vous êtes 3 millions. Mais on vous laisse 5. Avec le bonus, on met le bonus dessus. On vous laisse 5. Donc, vous allez enterrer les 25. Et même si les 25 disent non, nous allons dire que même si nous on est 1 million, vous allez nous enterrer avant de l'enterrer. Parce que comme vous voyez là, pour gagner une guerre, on n'a pas besoin de toute l'armée. On a besoin des courageux. Vous voyez, non? Les courageux, dès qu'ils sortent, il prend la route. Dès qu'il commence à mitrailler, n'importe qui se couche, il dort. On n'a pas besoin de tous les millions là. On a besoin de quelques têtes. De quelques têtes. Monsieur Ekoka, tu as fuck up. On ne trahit pas un peuple comme ça. J'espère que dans ta maison, quand tu manges, tu trouves le sommeil. Tu dors. J'espère que tu ne penses pas au cadavre du Nozo, là. Le sang des Camerounais qui coule. Je ne vais pas aller loin au Nozo, mon cher frère. Mon cher frère, est-ce que tu parles à Maître, tu penses à Maître Sow? Tu penses à ces orphelins? Ça avait commencé comment? Tu as commencé ta part depuis quand? Quand il venait se confier à toi, papa? Hé, non. Non, si on vous mange, hein, vous allez gratter. Et il vous avait gratté. Il faut même parler de audit judiciaire. C'est les esprits là qu'on va chercher. C'est là que quand tu es parti, c'est eux qu'on cherche pour donner un résultat. Vous cherchez encore quoi? Je vais revenir sur lui, hein, sur l'audit judiciaire là. Radical, vous êtes souvent là. So, la stratégie d'encerclement est mise sur pied. Il faut encercler Kanto et l'isoler. Alors, comment va-t-on isoler Kanto? Tous les partis politiques au Cameroun sont prêts à soutenir le gré à gré.
et Kanto seul va dire non. Et on va dire, oh, c'est Kanto qui veut gâter le pays. Mais ils ont oublié le dernier larron. Et c'est celui-là qui a le dernier mot. Le dernier larron. Dans tout ce qu'ils font là, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est vous. C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. C'est le peuple. Et le peuple là est avec Kanto. Le peuple au Cameroun est avec Kanto. Ils vont passer. Le peuple en diaspora est avec Kanto. Ils sont donc en train d'être avec Kanto. Et ton gars de la diaspora là, il fait comment? C'est là où le wayo bonbon pasteur est intégré. Bam! Le wayo bonbon pasteur là n'est pas le seul qui est en diaspora. Je vous ai longtemps dit que l'ambassadeur du Cameroun en France est venu en mission recommandée. Le bonbon pasteur n'est pas le seul. Mais si nous, le peuple, si ça sort ici dans ma bouche, ça entre dans ta bouche qui me regarde là, personne ne peut nous dépasser. S'ils ont même les armes, même les bombes chimiques, même la bombe, même s'ils ramassent Fukushima, c'est ça? Nous, on va gagner sur eux. On a les mains comme ça, on n'a rien. Mais on a l'amour. On est ensemble. Et nous souffrons depuis. C'est nous, les générations sacrifiées. Ils nous ont sacrifiés. Sacrifions-nous pour les chasser. Ils vont que partir. L'autre a fini la forêt équatoriale. Nos bois au Cameroun, partout. Maintenant, il va aller être président. Donc, pour ramener tous ces gens-là, pour qu'ils enlèvent, même si tu as mis les écaltus chez toi, ils vont couper. Tu n'auras plus parole. Hein? Est-ce qu'il va vous laisser suivre tout ça, maman? Je suis là. Non, puis quoi? Hein? Je vous dis la politique. Ce qui me dérange dans ce café, c'est que il y a des gens qui pensent que c'est les amusements. Ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les amusements. Comment vous pouvez penser à ton jeu? Ce n'est pas les jeux, mes frères. Donc, le bonbon pasteur, il vient maintenant et dit, ok, comme Penda a dit que c'est 300 euros qui ne croit pas. Et maintenant, il faut que moi je donne maintenant ma part et le résultat dans ça. Et il est du coup parti aussi dans RFI. RFI comme ça, c'est la radio de la France africaine. Rappelez-vous, quand on est au pays, quand vous voulez savoir qu'une information est crédible jusqu'à... Il n'y avait pas moyen. C'était pas RFI. On s'est levé le matin, on dit, ah, RFI a dit qu'elle, RFI a dit qu'elle. On a mamie, puis ma RFI là, c'est zéro désormais. Notre radio qui donne les informations, c'est Equinox. Vous n'avez pas fait le sondage. Faites le sondage entre RFI et Equinox. Vous voyez là où les Camerounais écoutent maintenant. C'est Equinox qu'on écoute. Tout le topazi qu'on nous avait donné là sur RFI, c'est fini. Equinox est venu tuer ça. À Equinox, on a toutes les informations. Et les vraies informations. Parce que là-bas, tout le monde parle. Les gens de Bien Palo, les gens de l'opposition parlent. Tout le monde parle là-bas. C'est la seule radio encore crédible dans ce pays. Et la seule chaîne de télévision. La télé et Equinox. Donc, et pas à RFI, quoi, qui va nous épater. Alors, ils ont dit, bon, toi, donc, mon pasteur, Wayo manque. Toi, tu vas donc donner maintenant l'autre résultat. Il est venu là-bas, il a seulement exagéré, il a dit que l'affaire, là, mais quand tu as plus que 8 millions d'euros. Bon. Le résultat de tout ça, c'était quoi? C'était pour voir comment est-ce que la diaspora si devait voir ça. Est-ce que ça pouvait déstabiliser la diaspora? Est-ce que ça peut amener du discrédit sur Kanto? Est-ce que ça peut faire que les gens se retirent et disent que Kanto là, toi, mais lui, il faudrait un business de YouTube. C'est maintenant alors qu'ils ont compris que ça n'a rien fait.
pas de vin. Et c'est là où je vais vous dire, donnez le cœur à vous-même. Parce que vous êtes dangereux. Vous êtes vous dangereux. Parce que, allez, écoutez mes voix de live. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce monsieur de bonbon pasteur était dangereux. Je vous avais parlé de ce monsieur. Il est très dangereux. C'est pour ça qu'il avait appelé Wai Wai. Il est très dangereux. Et que lorsqu'il va faire ces Wai Wai, tu sais là, ne vous dérangez pas. Les choses devaient arriver. Concentrez-vous seulement sur Bakanto. Je profite ici pour dire un grand merci aux combattants de Rapido Design qui, tous les jours, ils me mettent Bakanto, Bakanto. Et vous partez sur la page, Bakanto seulement parce que. Il faut parler de Kanto matin, midi, soir. Il faut chanter le nom de Kanto. Le royaume pasteur, vous avez dit quoi? Quand vous voyez tout le Kanto, c'est comme si vous étiez en train de faire l'idolatrice, l'idolâtre. C'est le mot qui sort, je sais où là. Attends, et quoi tu étais à l'école plus que qui? Je sais. Quand tu as fait Kanto, plus que qui? Oh, c'est l'idolâtrice, c'est l'idolâtre. C'est quoi ça? Ça? Tu crois que tu es une personne qui a les mots là? Je sais. Bon, il faut chanter Kanto. Donc, quand vous partez sur ma part, il n'y a pas un jour que je n'ai pas mis Bakanto. Bakanto, je mets ça. Parce que leur problème, c'est de ne plus parler de Kanto. Mais attends, vous n'allez plus parler de Kanto, vous parlez de qui? Ok, ok, ne parlons plus de. Tu vas parler de qui? Tu vas parler de qui? Vous avez vu quelle révolution qui n'a pas de leader? Vous avez vu ça où? Mandela, jusque je dis le mot, on chante son nom. On chante son nom, je vous avais dit. Il y a les royaux internes et les royaux externes. Voilà. Les royaux externes. On est à Djapé 1. C'est Pasteur Bonbon. Bonbon Pasteur Royaux. Il est dangereux. Et je vais vous dire, parce que le tout n'est pas seulement de parler. Il croit qu'il est libre de parler. Écoute-moi maintenant très bien, je vais te dire ce qu'on a pris comme décision contre toi. Ouais, 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 pasteur. Tu n'es pas libre de parler. Parce que ta bouche là n'est pas libre de dire n'importe quoi. Parce que tu es avocat, tu parles. Tu es avocat de qui? Pour aller parler de n'importe quoi. Il y a 8 millions d'euros que quand tu as disparu, donc quand tu as pris ça. Bon, écoute donc. Parce que tu n'es pas libre de parler n'importe quoi. Tu t'es attaqué aux intérêts du peuple. Si on était dans le maquis, on t'aurait exécuté. Parce que dans le maquis, les gens qu'on voit, on tue, on liquide et on avance. Oui. Oui, autant de mignonnes, on te tue, monsieur. Vous êtes dangereux. Vous êtes contre les intérêts du peuple, monsieur. Alors, dans une réunion de la base UK, nous avons donc décidé, une réunion très restreinte. Nous avons décidé, bonbon pasteur Wayo-Wayoma, désormais, tu dois marcher avec les preuves des 8 millions d'euros qui ont été détournés par Kanto dans les affaires des SINC. SINC, tu dois marcher avec. Sinon, on le pique partout. Nous t'avons mis dans la liste de les Kéchakoutes avec les chefs de l'Ouest qui ont soutenu la candidature de Paul Biya. La base du Ké, écoute-moi très bien, tu es donc entré dans cette liste. C'est-à-dire, personne n'a dit non grata au Royaume-Uni. Il faut prendre ce que je dis là aussi. C'est trop long, hein. Donc, tu ne dois plus mettre pied au Royaume-Uni. Hey, et si tu veux dire, je suis fatigué. Informe-nous que tu arrives au Royaume-Uni et la base qui va donc venir t'accueillir. Parce que vous croyez que vous avez la bouche pour parler de n'importe quoi. Vous n'êtes pas libre, monsieur. Vous n'êtes pas libre de parler de n'importe quoi. De vous attaquer aux intérêts du peuple. Vous n'êtes pas libre. Comme tu es responsable de ce que tu as dit là, nous sommes responsables de ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que bonbon pasteur interdit d'entrer au Royaume-Uni. Et si tu veux savoir
Appelle-moi la police, Joran, mais on va te dire, crée une organisation qu'on appelle BASS, ici en Angleterre. On va te gérer. Donc, désormais, donc, tu n'es pas différent de Ketia Koutes. Avec tous les chefs de l'Ouest. Ketia Koutes peut te dire combien de fois elle a annulé ses voyages ici pour venir voir ses enfants, sa famille à l'île. Elle va te dire, nous, on n'a plus les dispositions. Parce que nous sommes prêts à tout ici en Angleterre. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Vous n'êtes pas libre de parler, mon frère. C'est quoi, même avec vous? Le peuple est là, le peuple meurt. On tue les gens en oiseaux tous les jours. Vous avez le courage de venir dans les radios parce que vous êtes en Europe. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, monsieur. Tu n'es pas libre de parler. Interdit d'entrer dans l'United Kingdom. Et si tu veux, viens et tu vas nous voir. Avant de venir, donne-nous rendez-vous. Dis-nous que tu arrives tel jour et nous, on va t'accueillir. Mais vous croyez même que quoi? Vous êtes où là? Il croyait c'est quoi ça au Cameroun. Le mensonge qui est défini le mode de gouvernance au Cameroun, tu amènes ça ici en Europe et tu vas parler dans les radios. Ça vous prend pas vous-même. Donc, appelle-toi dans ma chère avec tes preuves de 8 millions d'euros. Voilà le travail que la base qui te donne. Tu te balades avec ça, tu mets dans ta poche, lorsqu'on vient t'accueillir à Londres, tu nous tends ça. Avec toi, c'est fini comme ça. Voilà la décision qui a été prise contre toi. Maintenant, je vous avais dit que les royaux internes, c'est voilà encore ça que je vous dis, hein. Ne dites pas que vous n'avez pas dit. Il y a donc le MSC progressiste qui est en train d'arriver. Parce que ce qui m'a mis dans cette affaire, c'est que peut-être vous croyez que c'est le jeu. Le pouvoir est décidé. Il faut un autre MSC, même si on crée sa main dans une chambre, pour faire face à Kamto. Et c'est ça qui est bon. Je vous avais dit, parce que... Non, reconnaissez quand même que je suis quand même un combattant de longue date, non? Moi, j'étais dans le SDF depuis longtemps. Le SDF, comme vous comprenez, je vous ai déjà dit... C'est nous qui avons implanté le SDF à Yaoundé, dans la province du Centre du Sud. Et toutes les formes de déstabilisation de ce parti. Je suis passé par là, j'ai vu toute forme de prison. Je ne suis pas du MSC, mais je vais faire un travail de technicien pour le MSC. Je vais donc vous donner toutes ces stratégies, comment on va les détourner. On va déjouer toutes ces stratégies-là, toutes ces stratégies de déstabilisation du MSC. Parce que là, c'est moi. C'est l'homme qui m'a sauvé la vie, papa Kamto qui a acheté. Je ne peux pas accepter ça. Et vous m'acceptez? Quand je vous dis toujours que papa Kamto m'a sauvé là, vous croyez que je m'amuse, hein? Quand vous là, qui me regardez là, quand vous m'envoyez à Genève avant là, est-ce que vous me suiviez? C'est pas vous qui m'avez appelé fou, malade et tout ça? Mais quand papa Kamto est venu, ça vous a rendu compte que je n'étais pas fou. Je vous dis que je n'étais pas accessible aux Camerounais. Vous ne me croyez pas. J'étais en train de confondre Pamba. Que ce gars était un sorcier. Je pense que c'est pas comme ça que quelqu'un dit. Ah, moi, je ne veux pas marcher avec le gars là. Si on me voit là, l'ambassade, je ne vais pas là, on ne va pas me donner le visa. Je vais prendre un petit exemple. Hein. Il y a un petit dans la ville où je vis là. J'avais amené l'orchestre sauveur dont Finch à animer son mariage. Donc notre orchestre allait animer son mariage. On est parti dire que le gars là, quelqu'un a animé son mariage, terminons la barre, le gars là, ça. Il est venu abonner, ah, c'est toi qui es avec un père. Je vous dis comme ça. Ça, c'est un exemple. Appelez les gens, ils savent. Évidemment, appelez les gens, les Camerounais. On laisse le reste. Mais vous avez des familles en Angleterre, appelez, on va vous dire. Donc, j'ai. Mes amis, on laisse le respecter, on continue demain. Moi, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Vous avez dit que je dors trop, je dois dormir. Voilà, j'ai mentionné sur mon direct, j'allais oublier, que la fille de papa, elle est là, et calme maintenant. Vous avez vu que ces derniers jours, j'étais un peu trop nerveuse et... J'ai parlé beaucoup de choses. Alors, ça a fait que la grande sœur de mon papa s'est levée.
fille. Elle m'a beaucoup parlé et j'ai décidé de l'écouter et de garder un peu le reste. Voilà. Donc, je remercie beaucoup ma tante, ça m'a fait beaucoup du bien. Vous pouvez voir mon visage. Je ne suis pas maquillée, je n'ai rien mis du tout. Et quand vous voyez mon visage, c'est que c'est elle qui est là dans mon cœur maintenant. Voilà. Et il fallait. Donc, merci ma maman. Ma maman chérie, ma reine-mère. Je t'aime de tout mon cœur. Allez, vous allez la voir dans quelques jours en photo. Je pense d'ici une semaine parce qu'elle va m'envoyer la photo. Ça, c'est comme si j'avais eu mon papa. C'est sa grande soeur qui m'a appelée. La reine-mère. Donc, tout va bien. Vous voyez sur mon visage, non? Je ne peux pas vous cacher ce que je ressens. Et comme j'ai le visage comme ça, c'est comme ça qu'elle-même elle a son visage. Elle est à l'heure actuelle à Bamingo. Voilà. Donc, on va garder le reste pour demain. Merci. Merci beaucoup. Ça faisait beaucoup d'années, sans vous mentir, quand je parlais d'elle, c'est comme si je sentais mon papa dans mes bras. Voilà. Donc, bisous à vous. Bonne journée, je vous aime beaucoup.